On met des tarifs pour faire payer plus cher. Et moi, je pense que... Attention, les États-Unis, c'est un très gros pays, c'est pas comme la France. C'est-à-dire que, en France, quand on augmente les tarifs, si on augmentait les tarifs, on perd les importations plus chères, et c'est extrêmement coûteux pour nous de trouver d'autres productions. Les États-Unis, je simplifie, hein, les États-Unis, c'est un très grand pays, et donc ce qu'ils cherchent à faire, c'est quand même substituer par la production américaine et faire de l'investissement. Donc il va y avoir peut-être une part de réussite. Que ne veulent pas voir les néolibéraux, parce qu'eux, ils ne voient pas qu'il y a de la production. Et c'est là où Trump, il a un peu plus de réalisme que les néolibéraux. Lui dit, moi, je ferme les frontières pour qu'on produise chez nous. Ce n'est pas un jeu, nous sommes nuls, on peut produire. Et là, il y a